Szanowni Państwo, jako dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie mam wielki zaszczyt przywitać Państwa w letniej rezydencji ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. Witam ministrów, witam ekscelencji ambasadorów, posłów, senatorów, witam wszystkich uczestników dzisiejszej debaty. To już czwarta międzynarodowa konferencja organizowana przez Centrum imienia profesora Bronisława Geremka, tutaj w Łazienkach Królewskich. Zazwyczaj spotykamy się we wspaniałych salach Pałacu na Wyspie. One jednak są obecnie w trakcie prac konserwatorskich. Ale nie ma tego złego, bo myślę, że ta skromniejsza sala byłej szkoły podchorążych, sali musztry, może nawet bardziej koresponduje z tematem dzisiejszej konferencji niż wspaniałe, złocone królewskie wnętrza. Łazienki Królewskie to miejsce związane z filozofią i ideami drugiej połowy XVIII wieku. Ważne dla europejskiego oświecenia. Związane z marzeniem o lepszym świecie. Ostatni król Polski Stanisław August, którego nazywamy filozofem w koronie, twórca wielu reform, a także inicjator postępowej Konstytucji 3 maja z 1791 roku, poniósł jednak polityczną klęskę. Jego republika marzeń pozostała niedokończona. Polska na 123 lata utraciła swoje państwo. Jednak to marzenie o lepszym świecie stało się dla nas ważne i doprowadziło do tej szczęśliwej sytuacji, w której jesteśmy dziś. I jest one żywe w całej naszej kulturze. Życząc Państwu owocnej rozmowy i tej pamięci o marzeniu o wolności, tak drogim dla nas wszystkich. Życzę owocnych obrad w tym magicznym miejscu, jakim są Łazienki Królewskie w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Drodzy Państwo, nazywam się Jolanta Kurska i reprezentuję Fundację imienia profesora Bronisława Geremka. Jest mi bardzo miło powitać Państwa po raz czwarty na konferencji międzynarodowej, jaką Fundacja organizuje właśnie w Łazienkach Królewskich, za co serdecznie Panu Dyrektorowi dziękujemy. Rok temu zdecydowaliśmy o wyborze problematyki tegorocznej konferencji, ponieważ zastanawialiśmy się wówczas, co pozostało z zwanej w owym czasie wiosną arabską. Wiosną arabską, która budziła duże nadzieje na demokratyzację tego regionu. Ale nie przypuszczaliśmy, że ten temat, ta problematyka wróci na pierwsze strony gazet, że nasza dyskusja nie będzie tylko bilansem tamtych czasów, ale jednocześnie będzie bardzo żywotnym pytaniem o przyszłość tego regionu. W spojrzeniu Europy na zrywy w świecie arabskim było tyleż entuzjazmu, fascynacji, co obaw. Bo jak wiadomo, procesy transformacyjne są krokiem w nieznane, a nieznane niesie z sobą pewne ryzyko i zagrożenia. Po 2 latach regionowi z uwagą i niepokojem przygląda się świat, słychać coraz więcej głosów pesymizmu. Wielu ekspertów upatruje w tych wydarzeniach zarzewia szerszego konfliktu. Świat się miota między bezsilnością a groźbą interwencji, ale dominuje generalnie bezradność. Tak jak powiedział nasz gość w jednym z wywiadów, Gilles Kepel, który za chwilę zabierze głos, jedno jest pewne, arabskie rewolucje są dla światowego ładu jak otwarcie puszki Pandory. Pragnę bardzo serdecznie podziękować gościom zagranicznym, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w panelach i zechcą się podzielić z nami swoimi analizami, obawami, nadziejami.
Chciałabym podziękować również moderatorom i szczególne podziękowania kieruję do pana profesora Daniela Adama Rotfelda, który nieustannie nas wspiera. Podziękowania również dla partnerów konferencji College of Europe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich i naszego partnera finansowego PKN Orlen. Dziękuję Państwu, bez tego wsparcia ta konferencja nie mogłaby się odbyć oczywiście. Drodzy Państwo, zaczynamy dwudniową konferencję wykładem wprowadzającym, który za chwilę wygłosi pan profesor Gilles Kepel, francuski politolog, wybitny znawca islamu i współczesnej polityki krajów muzułmańskich, profesor Paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, Sciences Po, autor wielu książek i publikacji. I właśnie chciałam Państwa zachęcić do nabycia za chwilę po panelu książki, która już została przetłumaczona na język polski, która jest w sali obok, i powiedzieć, że w przygotowaniu w wydawnictwie Dialog ukaże się niebawem książka kolejna Gilles Kepela, Passion Arabe, a pan Gilles Kepel po panelu około godziny 17 będzie książki podpisywał. Także zachęcam Państwa do spotkania z autorem. Oczywiście jeszcze chciałam dodać, że dla frankofonów Gilles Kepel przywiózł kilka egzemplarzy również, także mamy również wersję francuską. Drodzy Państwo, życzę Państwu ciekawych obrad, ciekawej dyskusji i zapraszam pana profesora Kepela. Merci beaucoup, merci Yolanta pour m'avoir invité à revenir à Varsovie, une ville que je n'ai pas fréquentée si fréquemment que cela dans ma vie antérieure, et j'étais très étonné au mois de juin que vous insistiez pour que j'y revienne le 12 septembre. Je n'ai pas compris pourquoi, mais maintenant j'ai compris. Varsovie est devenue la capitale de l'initiative internationale sur le Moyen-Orient. Hier à Paris, quand je disais à mes collègues « je vais à Varsovie », ils me regardaient avec une admiration extraordinaire, un air entendu. Je ne les ai pas démentis, bien sûr. Donc, merci Yolanta de m'avoir initié finalement, de m'avoir prévu. Merci également à Pierre Buller, notre ambassadeur, votre complice dans cette opération. Tous deux, vous saviez que ce serait le 12 septembre était le jour où il faudrait être à Varsovie, un jour qui est le lendemain du 11 septembre et qui est bien sûr un événement tout à fait important, et je vais essayer de vous expliquer comment, à mon avis, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, c'est une ultime réplique de ce Big Bang qui s'est produit le 11 septembre 2001, donc il y a 12 ans. Peut-être, pour essayer de parler anglais, je vais pointer le titre que vous avez choisi pour cette conférence. Vous l'avez appelé « Arab Revolt ». Même si mon anglais n'est pas très bon, je comprends que ça veut dire les révoltes arabes. Et dire révoltes arabes, c'est faire un choix, en tout cas un choix négatif. C'est ne plus dire printemps arabes, un terme qui a été aujourd'hui complètement oublié. Ça n'est pas non plus dire révolutions arabes, car c'est l'une des grandes questions qui se posent. Et je crois qu'il est important de la poser depuis Varsovie. Non seulement puisqu'il y a eu ce qu'on appelle désormais l'initiative Sikorski, certains ont cru que c'était une histoire d'hélicoptère d'abord, ensuite c'était l'affaire du ministre. On verra si l'histoire la retient ou non, mais aussi parce que le nom même de printemps arabe et la première vision que l'on a eue de ces événements venus de l'étranger, venus du Moyen-Orient, venus de l'Europe, était
en partie déterminée justement par ce qui s'était passé après la chute du mur de Berlin dans l'Europe centrale et orientale, anciennement communiste. Est-ce qu'au fond, ce printemps était une sorte de remake du printemps de Prague, des printemps des peuples de 1848 peut-être aussi, mais en tout cas un phénomène du même ordre. Après la chute des dictatures en Amérique latine, après la chute des dictatures en Europe du Sud, après l'effondrement du totalitarisme soviétique en Europe du centre et de l'est, finalement, les pays arabes semblaient les seuls à rester encore sous le joug de régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Et finalement, est-ce que ce que l'on voyait apparaître à partir de l'hiver 2010-2011, car en réalité ça s'est joué à l'hiver et non pas au printemps, est-ce que c'était finalement la même chose, sous un peu plus de soleil peut-être et avec moins de neige, que ce qui s'était produit en Pologne, en Tchécoslovaquie, pays d'origine, et dans diverses autres régions situées entre la Russie et l'Allemagne. Comme vous le savez, parmi les nombreuses maladies intellectuelles transmissibles qui nous viennent des États-Unis, il y en a deux qui sont particulièrement nocives. La première, qui est le sarcome de Fukuyama, veut que le monde, finalement, aboutisse à une sorte de réconciliation sous l'égide d'une vision américaine. C'est ce que l'on appelle en anglais « the end of history », la fin de l'histoire. Et finalement, les printemps arabes ou les révolutions arabes faisaient que, ça y est, les Arabes étaient comme nous. Fini Ben Laden, fini le djihad, fini la barbe et le niqab. Il n'y avait dans les rues du Caire et de Tunis que des jeunes filles charmantes avec des iPads, des barbus en blue jeans, avec des iPhones. Et du reste, Wael Ronaim, l'un des principaux porte-parole de la révolte égyptienne, était le responsable de Google ou de Microsoft, je ne sais plus, au Moyen-Orient. Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. It's a brave new world, an old world. Et donc, tout allait bien. Ça, ce sarcome de Fukuyama, je pense à Fukushima, mais c'est Fukuyama, ce sarcome de Fukuyama a donc été la première maladie qui s'est abattue sur nous quand nous avons vu les révoltes arabes, disons ça de manière avec des guillemets. Et on a dit, c'est pareil, ils sont comme nous, bravo, ça y est, c'est réglé. Quelque temps après, en Égypte, en Tunisie, ils ont tous voté pour les frères musulmans et les islamistes. En Libye, où Nicolas Sarkozy avait pris l'initiative d'envoyer les rafales français, suivies des tornados britanniques, et avec le président Obama, qui était déjà à l'époque « leading from behind », je ne sais pas si aujourd'hui il est « leading from wherever », mais en tout cas, il est toujours quelque part. Donc, après ça, en Libye, et nous avons ici, et je m'en réjouis, la présence de Mme Ebtessem El-Khilani, libyenne, et une des meilleures observatrices de son pays, qui pourra vous en parler bien mieux que moi tout à l'heure, on a vu cette catastrophe, et l'année dernière, anniversaire du 11 septembre, l'ambassadeur américain, arabisant, ami de la société civile libyenne, tué à Benghazi. Alors là, c'était fini. Exit le sarcome de Fukuyama, et
on a l'autre maladie américaine, le sarcome de Huntington, le clash of civilizations. Non, il n'y a rien à faire avec les Arabes. Ce n'est que barbe, que frères musulmans, que niqab, que hijab, que djellaba, que kalachnikov, c'est terminé. Et donc, on a cette espèce de vision qui va de l'un à l'autre, qui est une vision fausse, qui est une vision qui est basée sur une méconnaissance très profonde de ce qui se passe dans les sociétés du Moyen-Orient aujourd'hui, ce qui est dû, à mon avis, très largement au fait que, contrairement à ce qui était le cas autrefois, et je parle ici en Pologne, dans un pays où il y a une tradition d'études orientales à l'université qui est très forte, comme ça a été le cas en France avant qu'elle ne soit détruite, comme ça a été le cas aussi dans la République tchèque voisine et en Russie, où paradoxalement elle est beaucoup plus influente aujourd'hui qu'elle ne l'est en Occident, ce qui explique peut-être, entre autres choses, l'habileté du jeu d'échecs soviétique, enfin russe, pardon, ex-soviétique, que nous avons vu ces derniers jours. Parce que, finalement, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces sociétés en les examinant de l'intérieur, en apprenant leur langue, en allant sur le terrain, comme j'ai essayé de le faire dans mon journal « Passion arabe », on les voit à partir d'une vision de la technostructure politique construite par des stratèges dont les visions du monde sont toujours en retard par rapport à la réalité. Pensez par exemple à l'invasion de l'Irak de 2003 par les États-Unis et leurs alliés. Ceux qui ont influé sur la décision de George Bush fils d'aller en Irak n'étaient pas du tout les connaisseurs du Moyen-Orient aux États-Unis, mais ce qu'on appelait à l'époque, ce qu'on appelle toujours les néo-conservateurs, des idéologues, souvent brillants d'ailleurs, qui avaient conquis leur titre de gloire dans une position de non-compromis au sujet de l'Europe de l'Est, qui estimaient qu'ils avaient été ceux qui avaient poussé durant la présidence Reagan pour amener l'Union soviétique et le bloc soviétique à la faute et qui ainsi se donnaient la victoire dans la lutte contre l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. On peut leur en donner ou ne pas leur en donner crédit. Vous êtes beaucoup mieux placés que moi, la plupart d'entre vous ici, pour arbitrer ce débat. Mais ce qui est très frappant quand on parle de l'Irak de 2003, c'est que c'est une opération dans un pays du Moyen-Orient qui est conduite avec une vision du monde, avec des catégories de pensée qui sont héritées de l'affrontement entre Washington et Moscou de l'époque de la guerre froide. Et la question qui se pose aujourd'hui pour nous, c'est de savoir si toute la question des frappes éventuelles sur la Syrie analyse ce qui s'est produit dans le monde arabe depuis 2 ans, ou au contraire utilise des catégories de pensée exogènes par rapport à ces données et ainsi aboutit à des impasses. Les événements de cette semaine, depuis mardi, semblent aller dans cette interprétation, avec cette exception que, contrairement à 2003, où l'armada américaine conçue pour détruire le bloc soviétique, s'est déployé sur l'Irak de Saddam Hussein. Cette fois-ci, on fait du rétropédalage et
Le Congrès américain n'est plus vu, le Parlement britannique refuse, et maintenant, on assiste à cette chose extraordinaire, peut-être surtout vue de Varsovie, qui est le retour de Moscou comme une grande puissance. Moscou qui n'est plus la Moscou soviétique, mais qui est la capitale de la plus grande gazo-monarchie du monde. Et je ne sais, peut-être que vous voyez en Vladimir Poutine un tsar. Moi qui suis arabisant, je vois en lui un émir qui dispose de 600 milliards de dollars de cash pour mener sa politique. Et que nous autres, qui allons payer nos impôts la semaine prochaine en France et qui savons qu'il n'y a plus d'argent en Europe occidentale, nous sommes obligés d'écouter. Alors, je crois que c'est ce contexte nouveau, ce contexte extraordinairement changeant qui se produit aujourd'hui, et donc je sais gré à la vision prémonitoire de Mme Kurska pour m'avoir invité en ce jour pour en parler, dans un centre qui, bien, dont le nom, bien sûr, est très cher au cœur de tous les intellectuels et les universitaires français. Bronislav Geremek, en France et dans l'université française aujourd'hui, est sans doute l'une des grandes consciences, l'une des grandes figures de la vie intellectuelle. C'est une personnalité qui est infiniment révérée et c'est un immense honneur pour moi, bien sûr, d'avoir été invité à m'exprimer sous son égide et sous ses auspices. Revenons, si vous le voulez bien, à une vision globale de ce système du Moyen-Orient et de son inscription dans le système du monde contemporain. Qu'est-ce qui fait que le Moyen-Orient a son importance particulière et qu'il est différent d'autres zones qui toutes sont importantes, l'Asie, empire manufacturier, l'Afrique, la croissance attire tous les investisseurs du monde aujourd'hui, l'Amérique latine, l'Europe centrale et orientale. Le Moyen-Orient concentre de manière unique deux facteurs qui sont à la fois contradictoires et complémentaires, et dont l'importance pour la marche du monde, pour sa paix ou sa guerre, pour sa pauvreté ou sa richesse, sont cruciales. La question israélo-arabe, d'un côté, et la question du gaz et du pétrole, de l'autre. Les deux sont intrinsèquement liés. Et, vous allez le voir tout à l'heure, quand on parle de Syrie, on parle de l'un et de l'autre. Sans faire injure à mon ami Ebtessem El-Kilani, qui représente ici la société libyenne, ou en tout cas elle-même, comme une jeune et brillante libyenne, la Libye n'a pas les mêmes atouts ou la même centralité. La Libye a beaucoup de gaz et de pétrole, qui est tout près de l'Europe du Sud, mais la Libye n'a pas de frontière avec Israël. Et donc, ce qui se passait en Libye, ce qui se passait en Tunisie, et même, dans une certaine mesure, ce qui s'est passé en Égypte, en 2011, n'avait pas la même importance que ce qui pouvait se passer en Syrie, au Bahreïn ou au Yémen. En effet, quoi qu'il advienne à Sidi Bouzid, au sud de la Tunisie, à Benghazi en Libye ou à Assyut en Égypte, le prix du litre d'essence à la station-service de la rue d'à côté, à
Varsovie n'allait pas changer. En revanche, si Bahreïn était devenu un pays chiite pro-iranien, si la Syrie avait basculé contre Bachar el-Assad et était devenue aujourd'hui un pays d'une autre nature, si le Yémen insurgé avait lancé des troupes d'assaut contre les puits de pétrole saoudiens, bien sûr, les flux économiques mondiaux auraient été bouleversés et cela aurait eu des conséquences très importantes. De même, parmi les connotations de l'affaire de l'usage des armes chimiques le 21 août dernier dans la banlieue de Damas, l'ancienne oasis merveilleuse de la Routa, qu'on appelait en arabe Shemet et Donye, c'est-à-dire le grain de beauté sur la joue du monde. Cette oasis chantée autrefois par les poètes et les voyageurs, qui est devenue aujourd'hui une innommable banlieue industrielle mitée de Damas et qui est une zone de pauvreté dans laquelle l'opposition a construit ses places fortes. L'affaire des armes chimiques, évidemment, nous a bouleversés. Bouleversés parce que ces images insoutenables d'enfants morts qui semblaient endormis, un numéro collé sur le front pour permettre de savoir où on allait les enterrer, étaient insoutenables. Et, bien sûr, pour une partie de la conscience internationale, elle rappelait des événements qui se sont produits dans ce pays et à Treblinka ou ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gazage est évidemment quelque chose qui a des connotations très très fortes tout de suite. Et l'utilisation des armes chimiques contre des populations dont un État a en principe la responsabilité, la Syrie, est en soi monstrueuse. Je laisse ici le débat de savoir si ces armes ont été utilisées par Bachar el-Assad, si elles ont été utilisées par ses adversaires, comme le prétend Vladimir Poutine. J'ai mon opinion là-dessus, mais ça n'a pas d'importance à ce stade. En revanche, ce qui est bien sûr très important, vu aussi des États-Unis, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la possibilité que des armes chimiques syriennes, au regard de la désagrégation des systèmes de contrôle qui maintiennent le Moyen-Orient tel qu'il est, puissent être utilisés contre l'État d'Israël. La semaine dernière, les masques à gaz ont commencé à être distribués à la population israélienne dans les bureaux de poste. Et un certain nombre d'analystes américains estimait que la seule façon pour Obama que le Congrès vote en faveur de frappes en Syrie, c'était de lui vendre l'idée que si on ne frappait pas, la prochaine cible d'une attaque aux armes chimiques serait Israël. Comme le Congrès n'a pas voté, on ne sait pas si c'est ainsi que les choses auraient été pensées, mais en tout cas, il faut bien voir comment cette représentation fait partie d'une analyse, d'une appréciation de la situation dans laquelle il semble aujourd'hui que, en Occident à tout le moins, la morale, un terme qu'il faut utiliser certainement avec précaution, mais en tout cas l'argument moral, s'est substitué, peut-être faute de mieux, à la démonstration politique. Je vous laisse à ce point, à vos réflexions, et nous y reviendrons tout à l'heure, si vous le voulez, dans la discussion. Essayons maintenant de remettre la question syrienne dans sa perspective globale. Je vous ai dit tout à l'heure que, à mon avis, c'était le Big Bang
du 11 septembre, auquel il fallait revenir si l'on voulait arriver à inscrire la succession, la concaténation, c'est-à-dire l'enchaînement des événements en perspective. En effet, l'attaque terroriste sur New York et Washington, que ses perpétrateurs, Ben Laden et Al-Qaïda, appelaient dans leur langage en arabe El-Rezwetain El-Mubarakatain, c'est-à-dire la double razzia, le double raid béni contre Washington et New York, s'inscrit dans plusieurs systèmes de signification et de représentation dont je ne suis pas sûr que les technostratèges qui aujourd'hui à l'Élysée ou à la Maison-Blanche contrôlent l'esprit des présidents aient véritablement pris la mesure. Lorsque l'armée rouge quitte Kaboul le 15 février 1989 et, sans faire injure à la chute du mur de Berlin ni à ce qui s'est passé en Europe centrale, et celui qui vous dit ça étant de père tchèque se sent donc fondé à le dire, 1989, la date importante, ça n'est pas la chute du mur de Berlin, qui d'ailleurs advient le 9 novembre, le 9-11, ce qui est l'envers du 11-9, du 11 septembre, pour ceux d'entre vous qui aimaient la numérologie. Ce qui est important, c'est le 15 février. Le 15 février, c'est le départ de l'armée rouge, défaite d'Afghanistan. L'armée rouge n'est plus qu'un tigre de papier, et il n'y aurait pas pu y avoir la chute du mur de Berlin s'il n'y avait pas eu le départ de l'armée rouge de Kaboul. C'est donc à travers les moudjahidines afghans et les djihadistes de Ben Laden, qui jouaient un rôle secondaire, mais qui ensuite se sont considérés comme jouant les premiers rôles, que l'on a trouvé la faille pour casser le système soviétique. Vous me direz, c'était la dernière estocade, et le système était pourri de l'intérieur, il avait été détruit par la course aux armements qui avait ronger le système soviétique, et ça faisait partie justement de la machination des néoconservateurs. Mais néanmoins, c'est là que l'estocade a été portée, si vous voulez, le dernier coup. Ben Laden et ses amis d'Al-Qaïda ont considéré qu'ils avaient été les principaux responsables de l'effondrement de l'Empire soviétique. Et comme leur vision de l'histoire est construite uniquement autour de l'histoire du prophète et de ses conquêtes. Ils considèrent que la suite de l'histoire n'a pas d'importance, que ce n'est que l'histoire du refus de l'humanité d'embrasser l'islam et qu'ils doivent la restaurer dans sa grandeur et dans ses origines. Ab ovo, comme on dit en latin. Ben Laden et ses amis voient la chute de Moscou, la chute de l'Union soviétique, dont ils pensent qu'ils l'ont provoquée, comme la chute de l'Empire sassanide, de l'Empire perse, dans les décennies qui ont suivi la prédication du prophète Mohammed au 7e siècle de notre ère. Et à l'époque, il y avait deux grands empires, persan, sassanide, soviétique pour eux, et byzantin, américain pour l'autre. Après la chute de l'Empire soviétique, il fallait se retourner vers l'Empire byzantin, vers la Constantinople d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Amérique, New York et Washington, pour rejouer la saga du prophète et les débuts de l'islam. Ce sont ces visions du monde qui sont dans l'esprit des islamistes radicaux contemporains, et c'est dans cette perspective qu'ils frappent New York et Washington. C'est également parce que dans les années 1990, ils ont échoué
à mobiliser les masses en Algérie, en Égypte, dans l'ancienne Yougoslavie et ailleurs pour transformer des révoltes populaires en djihad victorieux. Toujours est-il que le 11 septembre crée un immense traumatisme. Un immense traumatisme où la part de la représentation par les médias, car c'est un spectacle hollywoodien que de voir ces tours s'effondrer, est peut-être au moins aussi importante que la réalité concrète de la menace. Mais, dans le monde arabe en tout cas, tous les États qui peuvent faire valoir qu'ils représentent un rempart, une protection contre le terrorisme, sont les bienvenus et plus personne, à Washington ou en Europe, ne va chercher à savoir s'ils sont démocrates et s'ils s'intéressent aux droits de l'homme, pourvu qu'ils luttent contre le terrorisme. C'est ainsi que Moubarak, Ben Ali, Bachar al-Assad à l'époque, et également Kadhafi, qui pourtant était un ennemi de l'humanité, mais qui va apparaître désormais sous un jour souriant, sont promus comme des alliés de la démocratie, du progrès et de l'Occident, puisqu'ils sont des ennemis résolus du terrorisme et de Ben Laden. Et de la sorte, Moubarak, Ben Ali et Kadhafi, comme vous le savez, ont eu 10 ans de prolongation de leur règne avec la bénédiction des chancelleries occidentales, ce qui a eu une incidence sur la consommation de cirage noir dans le monde, puisqu'ils se sont passés énormément de cirage sur les cheveux pour avoir l'air toujours jeune, même si leur visage était raviné par les rides. Le monde sunnite vit donc cette situation de gel démocratique du fait de Ben Laden avec l'appui occidental. Le défi que le terrorisme pose à la puissance occidentale est très important. En effet, la panoplie, l'armement de l'Occident, encore en 2001, reste l'armement qui était utilisé contre l'Union soviétique. Des missiles antimissiles, des patriotes, des armes qui sont destinées à détruire les grandes villes soviétiques avant que les grandes villes américaines ne soient construites, l'équilibre de la terreur, tout ça est complètement inutile face à une nébuleuse inconnue dont on ne sait pas où elle est, qui envoie des avions civils détruire les tours du World Trade Center, le Pentagone et le Congrès, mais l'avion s'est écrasé avant. Et pour manifester la puissance militaire américaine, après l'épisode afghan, qui a vu la traque d'Al-Qaïda, une traque sans grand succès puisqu'il s'est enfui au Pakistan voisin, en 2003, en mars 2003, l'Irak de Saddam Hussein est envahi par les Américains et leurs alliés. Au prétexte fallacieux, comme on le sait aujourd'hui, de la possession par Saddam Hussein d'armes de destruction massive, et vous avez tous en mémoire encore Colin Powell à la tribune de l'ONU brandissant de la poudre de perlimpinpin en disant que l'analyse des armes de destruction massive irakienne. Je rappelle ça non pas pour me moquer de Colin Powell, mais parce que, comme vous le savez, ça a été l'un des facteurs déterminants du refus du Parlement britannique de soutenir les frappes sur le thème « on nous a menti une fois, on ne va pas nous mentir, la frappe sur la Syrie, une deuxième fois ». En allant en Irak, les États-Unis sont convaincus qu'ils vont en réalité éradiquer le phénomène du djihadisme sunnite, c'est-à-dire Ben Laden, par le côté.
Saddam Hussein, qu'il ait ou pas des armes de destruction massive, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'éliminer ce dictateur sunnite, là encore, au nom de la morale, d'où la caution, certainement, qu'il faut adopter quand on mélange morale et politique au Moyen-Orient. On élimine ce dictateur sunnite et on va favoriser la victoire de la majorité chiite en Iran, en Irak. Cette majorité chiite en Irak est vue par nos amis néoconservateurs qui fréquentent beaucoup de chiites exilés aux États-Unis et qui sont eux-mêmes souvent des néoconservateurs, comme l'avenir du Moyen-Orient. Des chiites qui finalement n'ont rien contre Israël, qui vont faire un État chiite pro-américain où il y aura des démocrates et des républicains, et qui vont surtout donner l'exemple à l'Iran et qui permettront de construire en Iran, de faire basculer le régime iranien, de faire tomber les mollahs et d'avoir finalement au Moyen-Orient un bloc chiite philo-occidental et philo-américain. La situation, en fait, est assez différente très rapidement de ce qu'on pourrait appeler le « pipe dream » des néoconservateurs, d'autant que leurs principaux idéologues s'appellent Daniel Pipes. Pipesh, en réalité, il était originaire de ce pays. Et pour deux raisons. D'abord parce que Al-Qaïda pense pouvoir faire de l'Irak une sorte de nouveau Vietnam, ou un Afghanistan pour les Russes, si vous voulez. Et les mouvements sunnites radicaux, financés par l'Arabie Saoudite, qui voient d'un mauvais œil ce plan américain, vont mener à une guérilla terroriste contre les troupes américaines et alliées en Irak. Vous le savez, tout le monde en a souffert, tous ceux qui y étaient. Mais en réalité, ce ne sont pas les Américains qui ont infligé leur défaite à Al-Qaïda en Irak, même s'ils ont tué son chef, Abu Musab al-Zarqawi. Ceux qui ont infligé la défaite aux extrémistes sunnites, ce sont les chiites. Ce sont les milices chiites entraînées, armées et équipées par Téhéran. Et quand l'actuel président américain Obama a souhaité retirer, il a été élu là-dessus, le contingent militaire américain d'Irak, en fait, ce n'était pas sa faute, c'était la politique de son prédécesseur, mais de fait, aujourd'hui, l'Irak, le résultat de la guerre en Irak, c'est que l'Irak est devenu le plus fidèle et important allié de la République islamique d'Iran au Moyen-Orient. Premier élément de complexification qui doit peut-être nous aider à mettre en perspective les options morales de la politique quand on touche à ce que le général de Gaulle appelait l'Orient compliqué. Vous savez qu'il disait l'Orient, vers l'Orient compliqué, allons avec des idées simples. Mais des idées simples, c'est une chose, des idées simplistes, c'est une autre chose. Et pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans les pays sunnites ? Dans les pays sunnites, l'effondrement d'Al-Qaïda en Irak rend moins nécessaire le maintien de régimes despotiques pro-américains. Et même dans tous ces think tanks très connus ici, l'Open Society Foundation, les machins Rights Watch et tout ça, qu'on connaît bien en Europe orientale, commence à germer l'idée que Moubarak, Ben Ali, Kadhafi et autres ne sont pas part of the solution, mais part of the problem. Et que s'il y a des mouvements djihadistes et radicaux dans ces régions, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative démocratique. Donc, si ces régimes dictatoriaux tombent et si on a alternative démocratique, alors il n'y aura plus de dictature
et nous aurons une vision fukuyamesque du monde qui se déploiera à la place de la vision huntingtonienne, Huntington, Fukuyama, Fukuyama, Huntington, endless. C'est ainsi qu'à partir de 2006-2007, la pérennité de ces régimes autoritaires anti-djihadistes commence à être mise en question très sérieusement. Et aussi bien les bourgeoisies locales que les chancelleries occidentales commencent à plancher sur l'alternative à ces régimes. D'autant que la perspective que tout affaiblissement du pouvoir dictatorial se traduise par une victoire djihadiste est affaiblie à cause de l'effondrement d'Al-Qaïda en Irak, où elle avait investi toute son énergie. Les classes moyennes dans ces pays, qui étaient rassurées par ces régimes autoritaires, commencent de plus en plus à les percevoir comme des régimes prédateurs, inutiles. Une anecdote pour vous amuser, quand j'étais étudiant à Sciences Po, où je suis maintenant professeur, donc ma vie finalement n'a pas été très originale, j'ai enseigné là où j'ai été étudiant, j'y mourrai peut-être. J'avais un camarade tunisien qui a beaucoup mieux réussi que moi, même si vous ne l'avez pas invité encore. Il est devenu industriel, vendeur de je ne sais plus quoi, homme d'affaires. Et un jour, sous Ben Ali, où je n'étais pas souvent invité, car Ben Ali n'aimait pas trop les universitaires dans mon genre, il préférait les banquiers, les ingénieurs. Nous prenons un verre de muscat, de Kélibia, c'est un très bon vin tunisien, dans sa jolie maison à La Marsa, sur la mer, avec les bougainvillées qui tombent. On était seulement deux, parce qu'en Tunisie, il ne fallait jamais être trois, un peu comme en Europe de l'Est à l'époque, car le troisième était membre de la police politique, évidemment. Et il me dit, tu sais, être racketté par un flic, c'est-à-dire par un policier, c'est-à-dire par Ben Ali, c'est déjà pas drôle. Mais être racketté par une coiffeuse, c'est insupportable. La coiffeuse, c'était la femme de Ben Ali, Leila Ben Ali, qu'il avait épousée en seconde noce, qui lui avait fait un shampoing, et peut-être davantage, et qui ensuite était devenue première dame de Tunisie, et dont la famille prenait 20% sur toutes les choses que vous faisiez en Tunisie, vous ouvriez un garage, je ne sais quoi, 20% pour les Trablusi, c'était leur nom. Et cette anecdote est amusante parce qu'elle exprime l'exaspération, la volonté de changement, si vous voulez, voyez, y compris dans les classes moyennes, supérieures. Donc, première phase des révolutions, ce qu'on va appeler les printemps, on a ce phénomène qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le moment d'enthousiasme révolutionnaire. Le moment d'enthousiasme est une expression que j'emprunte à un ennemi de la Pologne, Karl Marx, qui, dans son livre « Le 18 Brumaire » de Louis-Napoléon Bonaparte, qui analyse les révolutions de 1848 en Europe, dit « Ce qui caractérise une révolution, c'est un moment d'enthousiasme où des classes sociales différentes, en l'occurrence c'était à Paris, les ouvriers des faubourgs parisiens, on dirait aujourd'hui des banlieues, et la bourgeoisie du centre-ville s'allient pour renverser l'ancien régime. Toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu ce qui va se produire en Tunisie, en Égypte et d'une moindre mesure en Libye, mais Ibtissam en parlera beaucoup mieux que moi tout à l'heure, au printemps et dans l'année 2011. On a au départ une révolte populaire. En Tunisie, elle commence dans la ville déshéritée de Sidi Bouzid. Elle touche des pauvres, des jeunes sans diplôme et au lieu de rester un mouvement de révolte sporadique de pauvres qui est écrasé par la suite,
elle va réussir à entrer en fusion avec la classe moyenne des villes, avec mon copain de Sciences Po. Et c'est cette alliance entre des classes sociales différentes qui va isoler le despote et permettre son renversement. En Tunisie, ça va se passer assez simplement, puisque l'état-major militaire, dont la plupart des membres appartiennent à cette classe moyenne tunisoise, vont être d'accord pour éliminer Ben Ali, qui est mis dans un avion pour l'Arabie Saoudite, où apparemment il coule des jours heureux. Et donc, je n'ai pas le temps de gloser beaucoup, mais le phénomène se produit un peu à l'identique en Tunisie, en Libye, c'est un peu différent, puisque nous avons une intervention de l'OTAN qui joue un rôle clé pour permettre la désagrégation du système militaire de Kadhafi et qui malheureusement aboutira aussi à la désagrégation de la Libye. J'attire simplement votre attention sur le fait que, comme je l'ai dit au début, ces révolutions se produisent seulement dans 3 pays jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la chute du régime précédent. L'Égypte, la Tunisie et la Libye. Pourquoi ? Parce que on a des pays assez homogènes et où l'enjeu pétrolo ou gazo-israélien n'est pas crucial. En revanche, 3 autres révolutions qui commencent en même temps seront étouffées, avortées ou aboutiront à la guerre civile. Le Yémen, pays de 25 millions d'habitants, donc autant qu'en Arabie Saoudite, très pauvre, et où les Saoudiens voient une immense menace d'invasion. Et je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, si vous avez des questions, on en parlera tout à l'heure, mais le Yémen verra sa révolution largement étouffée par la communauté internationale et les pays du Golfe pour éviter que les troubles révolutionnaires ne contaminent la production pétrolière voisine. Le président Ali Saleh est mis sur la touche, mais il est toujours sur place. C'est son vice-président qui lui succède et, sur le fond, rien n'a vraiment changé au Yémen, même si la forme en est plus démocratique. À Bahreïn, la révolution est avortée. Elle commence le 14 février 2011 par d'immenses manifestations qui ressemblent aux manifestations d'Égypte. La population de Bahreïn est à 70% chiite. Sa dynastie est sunnite. Pour les autres pays du Conseil de coopération du Golfe, si le Bahreïn bascule, c'est 2 mauvais exemples. D'abord, la chute d'une dynastie qui ressemble à la leur, et d'autre part, le fait que l'Iran va mettre un pied dans la rive arabe du Golfe, et que le destin de Bahreïn sera comparable à ce qu'a été le destin de l'Irak après l'invasion américaine, c'est-à-dire une majorité chiite qui prend le pouvoir et un pays qui bascule vers l'Iran. Une chose d'autant plus difficile que Bahreïn est situé exactement entre les plus grands champs pétrolifères saoudiens et les plus grands champs gaziers qatari. Autant dire que ça aurait été une catastrophe absolue pour les importateurs de pétrole, et tout le monde a détourné pudiquement le regard quand les troupes saoudiennes sont entrées à Bahreïn le mercredi 14 mars 2011, un mois après le début de la révolte. Pourquoi un lundi? Pourquoi est-ce important? Ça ne pouvait pas avoir lieu un mercredi, justement, car le mercredi, le pont qui relie l'Arabie Saoudite à Bahreïn est plein d'immenses embouteillages et les chars saoudiens n'auraient pas pu y aller. En effet, le mercredi soir, c'est le vendredi soir du week-end saoudien, puisque c'est jeudi et vendredi le week-end, et tout l'est de l'Arabie Saoudite est sur ce pont pour aller se saouler dans les bars à Bahreïn, à Manama, où l'alcool est en vente libre,
et faire des progrès en diverses langues avec des répétitrices féminines, laotien, arabe marocain et toutes sortes de choses. Donc vous avez là un phénomène intéressant, c'est-à-dire l'écrasement d'une révolution avec le consensus international. Je n'ai pas entendu que la morale ait été beaucoup évoquée dans cette affaire, sauf pour le jour choisi pour la répression. En Syrie, comme vous le savez, c'est la guerre civile. Deuxième phase des révolutions, et je vais aller plus vite, c'est la victoire des frères musulmans. La victoire des frères musulmans en Tunisie, en octobre, aux élections, entre décembre 2011 et juin 2012 en Égypte, et en Libye, même si les élections de juillet 2012 sont moins claires, et Ibtissam nous en reparlera, ce sont les frères musulmans qui néanmoins forment aujourd'hui la structure la plus présente dans l'ensemble du pays. Ce deuxième moment des révolutions, c'est le moment justement huntingtonien, anti-fukuyamesque, où tout d'un coup, chacun de dire c'est fini, le printemps, là là, le printemps arabe s'est transformé en hiver islamiste, on ne compte plus les éditoriaux de tous les journalistes dans le monde qui se recopient les uns les autres, faute d'imagination, et qui ont écrit la même chose. Pourquoi les frères ont-ils gagné si souvent ? Et aussi, on a vu comment la révolution syrienne également est devenue de plus en plus pénétrée par les mouvements islamistes alors qu'elle ne l'était pas au début. Pourquoi les frères ont-ils gagné ? C'était l'organisation la mieux structurée, la plus organisée, la plus efficace pour amener des électeurs aux urnes. Un peu comme les partis communistes d'Europe occidentale, si j'ose dire, en France ou en Italie dans les années 1960. Vous alliez chez un boucher communiste, chez un pédiatre communiste, vous alliez dans colonie de vacances communiste, je sais de quoi je parle, mon père tchèque était secrétaire de la cellule communiste de Montparnasse dans le 14e arrondissement, j'ai vécu ce type d'enfance. Et les frères musulmans, c'était la même chose. Par ailleurs, ils avaient été les plus persécutés pendant l'Ancien Régime et ils avaient l'aura du martyr face aux despotes déchus. En Syrie, la montée en puissance des frères est due aussi au fait que les Occidentaux étant dubitatifs sur cette révolte face à Bachar al-Assad, l'armée syrienne libre, qui n'est pas du tout islamiste au départ, a très peu d'aide. Ceux qui vont avoir de l'aide, ce sont les groupes radicaux islamistes, sunnites, que Saoudiens et Qataris, unis pour une fois, financent abondamment, car ils voient dans la chute de Bachar el-Assad la chute de l'axe chiite qui, de Téhéran au Hezbollah, en passant par Damas et Bagdad, et en allant à l'époque jusqu'au Hamas palestinien, est l'ennemi par excellence des pétromonarchies sunnites du Golfe et menace leur mainmise sur la région. Donc on voit là comment, après ces printemps naïvement vus dans une vision fukuyamesque des choses, et au milieu de cet hiver huntingtonisé, il y a en réalité des forces beaucoup plus importantes et significatives qui se mettent en place, et notamment ces lignes de faille à l'intérieur du monde musulman. Ça n'est pas « the West and the rest », c'est à l'intérieur de ce « rest » méprisé par Huntington, des groupes, des lignes de force beaucoup plus significatives. À ce moment-là, on a donc, dans ce deuxième moment, une mise en place des mouvements sunnites qui montent en importance. Qui montent en importance et qui vont, au bout d'un an d'exercice, aliéner une grande partie de leur population. En Égypte ou en Tunisie, par exemple, la mauvaise gouvernance, les tendances dictatoriales des frères musulmans vont faire qu'une grande partie de la population, même ceux qui avaient voté pour eux,
s'éloignent et les rejettent. Et cela aboutira, je vais très vite, à la révolution coup d'État de cet été, qui a vu le 30 juin les grandes manifestations contre Morsi, qui a vu les manifestations contre Ennahda en Tunisie. La déposition de Morsi et sa chute. Allons maintenant, et ce sera la conclusion, à la situation présente et à sa complexité. La semaine du 14 août 2003, le général Sissi, qui a pourtant un nom d'opérette, mais qui a plus de force que Sissi, impératrice d'Autriche, envoie sa troupe tuer un millier à peu près de frères musulmans qui font des sit-ins au Caire et qui protestent contre l'éviction de Morsi. On peut aimer les frères musulmans ou ne pas les aimer. Les faits sont là. L'armée égyptienne a utilisé des armes pour tuer des gens qui manifestaient. Certains étaient armés, peu importe. Le rejet des frères musulmans est dominant en Égypte, c'est probable. Toujours est-il qu'il y a eu à peu près un millier de personnes qui ont été tuées par le général Sissi. C'est la semaine d'après que probablement Bachar al-Assad, même si Vladimir Poutine pense le contraire, utilise des gaz pour tuer plus d'un millier de personnes, mais environ le genre, dans la Routa à l'est de Damas, dans la zone la plus proche tenue par les rebelles et qui menace la ville de Damas encore aux mains des forces loyalistes. La semaine suivante, probablement encore les groupes fidèles à Bachar el-Assad détruisent, font sauter un vendredi à l'heure de la prière, une grande mosquée salafiste sunnite à Tripoli du Liban, à laquelle j'ai passé beaucoup de temps et dont je raconte les sermons et autres dans mon livre « Passion arabe », qui à la fois appelait à tuer Assad, les Iraniens, etc., mais aussi à détruire l'Occident. Quels ont été les premiers soutiens du général Sissi lors de sa répression des frères musulmans? Vladimir Poutine et Bachar el-Assad, qui ont dit « bravo ». Bravo, général Sissi, vous avez compris que les frères musulmans étaient des terroristes et vous les avez exterminés. Mais nous, Poutine, et nous, Assad, nous faisons exactement la même chose. Et le jeu d'échecs russe et syrien a été très efficace, puisqu'ils ont réussi à casser l'axe sunnite, le camp sunnite, l'axe sunnite opposé au croissant chiite. Vous regardez une carte aujourd'hui et vous voyez que, à l'intérieur du bloc sunnite, vous avez les pays qui soutiennent encore les frères musulmans, qui sont isolés et en crise, la Turquie, Qatar, le Soudan qui ne compte pas, la Tunisie qui est en crise, et tout le bloc des pays du Golfe, ceux qui comptent, à part le Qatar, qui soutiennent à fond le général Sissi. Regardez sur les frappes. L'Égypte de Sissi a exprimé qu'elle était opposée avec virulence aux frappes éventuelles sur la Syrie. Et Sissi ne prend plus Obama au téléphone, et on peut peut-être rêver d'un retour de la Russie en Égypte, comme cela avait été le cas sous Khrouchtchev avant 1970. Donc, on a une situation, si vous voulez, qui me semble plus complexe, mais qui en même temps est intelligible, qui est très intelligible, que l'espèce de vision Huntington, Fukuyama, Fukuyama Huntington, avec un peu de sauce morale au-dessus, qui est celle d'un grand nombre de nos chancelleries. Et je crois que c'est particulièrement important de comprendre que, à l'occasion de cette crise, ce qui se passe aujourd'hui, et j'imagine que pour la Pologne, évidemment, c'est un changement très important, et le fait que la Pologne ait contribué à l'anticiper est sans doute aussi très significatif. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Russie marginalisée,
depuis 1970, depuis 1989 en particulier au Moyen-Orient, qui a vu le Kosovo se faire sans elle, qui a eu le sentiment qu'il ne pouvait pas s'opposer à l'Irak et qui a eu le sentiment que la Libye avait été une trahison des Occidentaux, est aujourd'hui très déterminée, la Russie de Poutine III, à empêcher que les Occidentaux fassent la loi au Moyen-Orient. Et en soutenant l'axe syro-iranien et en voyant émerger de nouveaux alliés potentiels pour elle, l'Égypte de Sissi, l'Irak de Maliki, la grande gazo-monarchie russe est en train de construire, de reconstruire un système d'alliance au Moyen-Orient. Alors, peut-être est-ce que ce n'est que du wishful thinking et que la Russie a des failles structurelles très grandes, à commencer par sa démographie, par la destruction de son appareil industriel, toutes choses que vous connaissez très bien. Mais néanmoins, dans le monde d'aujourd'hui, être un grand État rentier disposant d'une matière première énergétique importante en grand nombre et l'exportant est un bonus exceptionnel. Les riches aujourd'hui, qui sont-ils dans le monde ? Les empires manufacturiers et les exportateurs d'hydrocarbures. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai été bien sûr trop long, vous avez eu la gentillesse de ne pas m'interrompre, mais je crois que le professeur Guérémec aussi avait tendance à parler sans limite. Je ne veux pas me comparer à lui, mais c'est en tout cas la seule excuse que j'ai trouvée pour vous remercier de m'avoir écouté dans une langue ancienne, étrangère, que plus personne ne parle. Vous avez parlé, monsieur, du XVIIIe siècle tout à l'heure, lorsque la France était l'institutrice de l'Europe. Elle n'en est plus aujourd'hui que le mauvais élève. Et de m'avoir écouté dans un silence que je n'ose pas qualifier de religieux. Merci beaucoup.